Fermat. Ça me semble fameux. Encore une petite heure, Votre Altesse. J'en suis sûr, ça ira. Alors, Franz, pour les vins. Voilà, Votre Altesse, je pensais servir un sauterne, un châteauique, pour le foie gras. Le choix est judicieux. Pour le sanglier. Je vous suggère un Gevrey Chambertin. Vous êtes trop évident. Je verrais plutôt un Romanée Conti. Je le trouve un peu âpre à mon goût. C'est un peu risqué, mais j'aime. Je sais. Quelle soirée exquise, cher prince. Dois-je vous avouer que votre présence la rend plus divine encore? Mon cher prince Malco, permettez-moi de vous remercier de nous avoir conviés à un tel festin. Mais mon très cher Werner, ce fabuleux dîner vous revient. Savez-vous que c'est notre ami qui a tué la bête? Qu'ai-je entendu? Qui aurait cru que vous fussiez aussi doué? Oui, Werner, ce serait bien la première fois. Je lui ai placé une balle en plein cœur à 400 mètres. Portons un toast, mes amis, au meilleur chasseur de toute l'Autriche. À Werner ! À vous, Werner. Désirez-vous voir mon Raphaël ? J'adorerais, je n'ai jamais vu de Raphaël. Mon arrière-grand-oncle, Frédéric. Ma trisaïeule, Elisabeth. Une dame charmante, mais un peu folle. Voilà, c'est ici. Attendez. Et voilà. Qu'en pensez-vous? C'est fabuleux. Mais je croyais voir un Raphaël. C'en est un. Je viens de le restaurer. Oh, de qui tenez-vous ce talent? De mon père. C'était un artiste et un collectionneur d'œuvres d'art. Et de quelles autres qualités avez-vous encore hérité? L'art. Le cœur. C'est merveilleux. De qui est-ce? Rubaiyat d'Omar Khayyam. C'est un hymne à la beauté. Je pourrais vous en conter bien davantage, si vous le désirez. Mais pour l'instant, les invités nous attendent. À votre avis, reverrons-nous notre hôte ce soir? Peut-être, mais difficile à dire. Ces leçons d'art peuvent durer une semaine entière. Pas cette fois. La fête est terminée. Qui êtes-vous? Je n'ai pas souvenance de vous avoir convié. Ça suffit, ferme-la, sale sioniste pourri. Il n'y a aucun sioniste ici. Et vous êtes chez moi. Alors je vous prie de déguerpir vous et vos amis. Vous avez compris? Sachez que cet homme est condamné par la résistance palestinienne. La sentence est la peine de mort. Que font-ils ici? À que valent-ils? Ma tête et un peu de publicité. Pas un mot! Et tous contre le mur avec sa sauce! Ceux qui résistent seront exécutés. Celui qui tentera quelque chose sera exécuté. Aziz, mets les domestiques de l'autre côté. Vous n'êtes pas palestinien. D'où venez-vous? Écoutez tous, vous ne devez certainement pas ignorer que votre hôte est un espion et un meurtrier. Cette grotesque démonstration est le prix de sa trahison. Mais avant de t'exécuter, sale réactionnaire décadent, ordure, allons faire une petite visite du château. Je veux voir de mes yeux ce qu'il s'est payé avec le sang de mes frères.
Emmenez-les. Toi, la fictionniste, reste avec moi. Non. Je t'en prie pas pour tirer, t'entends? Anya, faites ce qu'ils disent. À vos chaînes! J'espère que tu as lu tous ces bouquins. Jamais devant toi. Sautez, lui, avec. Vous avez vos charges, toi, maison une là. Réglez-les sur 5 minutes.
Allons, Doug. Content de vous voir, Malco. Dommage qu'il en soit ainsi. Ah, dites-moi, j'espère que vous n'êtes pas venu juste pour me présenter vos condoléances. Est-ce que vous vous rappelez du cargo que vous avez coulé en Libye? Et comment donc? Je suis resté 2 jours dans l'eau avant qu'un hélico daigne me sortir de là. Oui, seulement dans l'histoire, vous avez dérangé quelqu'un. Tellement dérangé qu'il n'a pas trouvé mieux que de vous envoyer ses tueurs pour vous remercier. Charmant. Et maintenant qu'il a raté son coup, il doit être au bord des larmes, non? Qui est-ce? Nous n'en sommes pas sûrs. Il ne doit pas être du genre à abandonner. Qu'est-ce que vous envisagez? Vous comptez admirer paisiblement les ruines de votre château ou attendre qu'il revienne une seconde fois? Je reconnais bien là votre humour noir. Je ne sais pas encore. Vous êtes trop sensé pour l'affronter tout seul. Vous avez besoin d'aide. Reprenez du service. Vous voulez savoir ce que je pense? Vous avez beaucoup plus besoin de moi que moi de vous. Alors, disons qu'on a besoin l'un de l'autre. Vous y songez quelquefois? Et tout le temps, rien. En attendant, vous pouvez vous renseigner? C'était lui, le boss. Ceci, mon cher Cassani, est un antivirus. Redoutable et très puissant. Si vous en inhalez un seul microgramme, des vomissements et de fortes fièvres surviennent. Et sans parler des hémorragies internes, ni des insuffisances rénales sérieuses qui, elles, entraînent la mort. Enfin, je vous assure qu'il est nettement plus efficace que la tularemia et moins cher que tous nos petits joujoux nucléaires. N'est-ce pas merveilleux? Merveilleux. C'est la perfection. Dans cette valise, vous avez la quantité suffisante pour gagner votre guerre. Ah, avant de les essaimer, faites attention au vent. Mes hommes connaissent l'embouillon. Aucune inquiétude. En plus, vous les avez formés. Et maintenant, si nous parlions argent. Il est sur un compte numéroté comme il l'a été prévu. Et ce Telex vous donnera toutes les références. La date de valeur est d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la somme sur laquelle nous nous étions mis d'accord. Surtout que je sais que vous avez déjà reçu 250 millions de dollars par vos acheteurs. Vous savez, dans cette affaire, je n'ai pas suivi le processus normal. Ça a été vraiment plus coûteux. Je n'ai fait que me rembourser. Vous saisissez? Je saisis qu'il manque 50 millions de dollars, c'est tout. Désolé, il faudra vous en passer. Ce passé de 50 millions de dollars, c'est vraiment beaucoup. Avec ma signature sur cette carte, l'argent est à vous. Alors tant pis pour les 50 millions. Vous vous y ferez. Oui, mais pas vous. Bah. Ne fais pas attention aux désordres, surtout. Alors, tu as fait bon voyage? Très bon, merci. Ça t'a réussi. Merci. Bien, ton nouveau décor. Tout Vienne est au courant. C'est bien ça. Je m'absente une semaine et à mon retour, qu'est-ce que j'apprends? Que j'ai manqué la soirée du siècle.
Les méchants tueurs, les bombes, les grenades, j'ai tout raté. C'est pas gentil. Vous auriez pu attendre que je revienne. J'ai bien essayé de les retenir, tu sais. Malheureusement, ils étaient pressés. La fille qu'ils ont tuée, tu la connaissais? Un de tes objets d'art, je suppose. On ne peut vraiment pas te laisser tout seul. Ne serait-ce qu'un moment. La prochaine fois, je serai présente. Est-ce que tu te rends compte que c'est toi qui aurais pu être tué à sa place? Oui. La soirée ailleurs. Il est encore tôt. Désolé, mais je préfère rentrer. Oui. Ah oh ah on bouge plus, FBI. Oh Son Altesse est très occupée, mais je vais voir ce que je peux faire. Désolé, Votre Altesse, mais Monsieur Werner est ici, il vous attend. Non, qu'il s'en aille. Dis-lui que j'arrive immédiatement. Qu'il revienne demain. Votre Altesse, c'est très urgent. Urgent? Qu'est-ce qui est urgent? Altesse, votre avion décolle dans 2 heures. Non, Malco, pas ça. Tu m'avais promis de rester. Oui, je sais. Je te déteste. Oh, Melko. Comment te sens-tu, mon ami? Beaucoup mieux, Altesse. Je pars pour New York. Frankenheimer a du neuf. Je viens avec vous, votre... Ne sois pas idiot, tu veux? J'ai besoin de toi ici, pour garder le château. Et occupe-toi de tout faire réparer avant mon retour, hein, c'est compris. Ça sera fait, Altesse. Et je compte sur toi. À bientôt. Faites attention à vous, Altesse. Où va-t-il? À New York. Oh, avec de la chance. J'en tirerai peut-être assez pour tout réparer. C'est moche. Être obligé de s'en séparer après tant d'années. 400 ans, c'est vrai que... Oh. Je suis désolé. Je te le promets, je n'en ai pas pour longtemps. Ne t'attends pas à me trouver là quand tu reviens, Malco. Si tu reviens. Non. C'est le dernier de ma collection. On peut dire qu'elle a du caractère. Oui, c'est fatigante par moments. Ah, vos instructions. À la retraite, Votre Altesse. Je l'étais. Oublions, Votre Altesse. Dis-moi, au squash, tu es toujours aussi nul? En tout cas, je te prends au tennis quand tu veux. Je vois que vous soignez votre couverture. Allez-y. Café? Oui, oui, volontiers. Noir sans sucre. Malco, avez-vous entendu parler d'une certaine Charnilar Cassani? Je l'ai vue une fois à Monte Carlo. Jolie fille. À une certaine époque, on ne voyait qu'elle sur les magazines. Ce n'est plus le cas. J'ai lu ce qui lui était arrivé. J'ai là quelque chose d'intéressant. Un court appel téléphonique à l'hôpital dans la soirée d'hier. Vous avez une semaine pour nous rendre tout ce qui nous appartient. Passez ce délai, nous reviendrons vous voir. Mais je n'ai pas cet argent. Cette voix, attendez, c'est celle du type qui a attaqué mon château. Vous en êtes sûr? Tout à fait sûr. Depuis cet enregistrement,
Elle a disparu. Kidnappée? Non. Elle a quitté l'hôpital de son propre gré. Et pourquoi vous intéresse-t-elle? En nous contactant, elle a laissé entendre qu'elle détenait certaines informations qu'elle voulait échanger contre sa protection. Que voulait-il qu'elle leur rende? Oh, pas grand-chose. $250,000. Et quelques documents très précieux. Et de qui elle les détenait? De son défunt mari, un marchand d'armes très puissant. Cassani? Il a été tué à Cannes il y a 3 mois maintenant. Dommage pour lui qu'il n'ait pas eu le temps de le dépenser. Cette somme rondelette vient de sa dernière affaire. Une affaire jamais terminée. D'ailleurs, on a découvert que cet argent avait été directement déposé en Suisse sur un des nombreux comptes numérotés de M. Cassani. Oh, attendez un peu. Depuis quand un acheteur, quel qu'il soit, dépose-t-il l'argent d'une transaction sur le compte personnel du vendeur? Ça ne s'est jamais vu. C'est exact, mais pour cette affaire, ils n'ont pas procédé comme d'habitude. C'était soit la plus extraordinaire des transactions, ou le plus insensé des bluffs. Et si c'était du bluff, comment comptait-il s'en sortir? Tous les clients de Cassani ont des tas de cadavres derrière eux. Et il avait amassé suffisamment de preuves pour les faire tous tomber. C'était sa façon à lui de se protéger. Non, ça n'a pas de sens. Il ne l'aurait jamais liquidé avant de récupérer ce qu'il voulait. Très bonne analyse. Et si j'analyse toujours bien, c'est à moi de retrouver la veuve. C'est bien ça. Mais qu'est-ce que vous m'offrez? Réparer votre magnifique château. Nous en assumerons les frais. Bien, ça me va. Je commence par qui? Par Gholam Soltané. Allez-vous? Mais comme vous, Monsieur Soltané. On se connaît? Non. Mais ça peut être l'occasion. Je m'appelle Malko Ling. J'aimerais parler de certaines choses avec vous. Pardonnez-moi, mais votre nom m'est inconnu. Vous avez une importante affaire d'import-export qui marche bien. Alors, êtes-vous prêt à m'écouter ou dois-je vous faire expulser de ce pays? Est-ce qu'il t'a posé des problèmes? Non, il a juste voulu jouer un peu. Milton, tu restes là, tu le lâches pas d'une semelle. Quant à nous, Chris, on retourne à l'hôtel ensemble. Je suis bon pour toute la soirée. Pas tout à fait, je dîne avec la belle Suzy. On parle bien de la même Suzy? Oui, la même. La Suzy de Frankenheimer? Toi alors? Gaffe, les gars. Cet endroit est un paradis en surface, mais un vrai piège en profondeur. Il n'y en a plus d'un qui s'est fait avoir. Hey, tenez, c'est lui le type. Il a emmené Soltané en balade et ils sont revenus au bout d'une heure. Depuis, il ne quitte plus sa chambre. Son t-shirt porte le nom de Stormy Weather, c'est le bateau de la veuve. J'irai bien faire un tour à bord. Excusez-moi. C'est bien le bateau de Madame Cassani. Et puis quoi encore? Je suis pas le syndicat d'initiative. Descendez de mon bateau, vous avez compris? Ils sont pas très accueillants ici. Oui, ils ont plutôt le sang chaud. Réveille-le, secoue-le un peu. Allez, debout, la sieste est finie. Permission de monter à bord. Que voulez-vous? Nous voudrions voir Madame Cassani. Et qui dois-je annoncer?
Un moment, s'il vous plaît. Désolé, mais Madame Cassani n'attend personne, monsieur. Votre Altesse. Je crains qu'il vous faille descendre du bateau. Ah, vous craignez? Mais que faites-vous? Non, vous n'avez pas le droit! Oh là, on se calme! Avec cette chaleur, ça vous donne pas envie? Allez, hop! C'est une belle journée, n'est-ce pas? Puis-je vous demander ce que vous faites ici? Je vous demande pardon, c'est à nous que vous parlez? Je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Prince Malcolling, et vous? Victoria Faraday Young. Mais je crois vous avoir posé une question. Ou vous y répondez, ou je serai forcée de tirer. Qu'est-ce que vous préférez? Mais nous sommes des amis, Victoria. Nous cherchons Charnila. Alors dites à cet idiot qu'il me lâche. Oui, en effet, c'est le conseil que je vous donne. Milton, vous faites ce qu'elle demande. Et vous là, lâchez votre revolver. J'ai rencontré tous les amis de Madame Cassani. Vous, je ne vous ai jamais vu. J'allais vous poser la même question. Mais maintenant que c'est chose faite, vous devriez poser cette arme. Nous pourrions alors discuter peut-être plus calmement. Non, je n'ai rien à dire, seulement que vous et vos amis quittiez le bateau immédiatement. Vite, aidez-nous! Hilton, allons-y! Qu'est-ce que vous faites encore là? Mais lâchez-moi! Hey, ouvre-nous! Une sortie. C'est vrai. Comment? Allez, grouille-toi, on va pas y passer la nuit. Marco! Mais t'es devenu complètement loup! Ah.
Merci. Travail, capitaine. On partira lorsque mes hommes seront à bord. D'accord. Pas de bobo ? Non. Dis donc, il y a des requins par ici ? Ah oui, pas loin de 6 mètres. Ouais, bah ça va alors. On n'a pas à s'inquiéter. Ah, tiens, regarde, ils s'en vont. Ouais. Ils pensent qu'ils nous ont eu. Hey. Ah tiens. Nixon arrive. Vas-y donc, t'en as mis du temps. Comment était l'eau ? Très bonne. Tiens, tiens. Le monde est petit. Comment ça va ? Pas très fort. Ils reviennent, Malco. Prends la barre. Et l'œil sur lui. Nous file le train. Ils vont nous rattraper. Attention, on va se payer les rochers. C'est la seule solution. Il n'y a pas assez de fond pour eux. Ils sont bien trop gros. Ils nous suivront pas. Donnez-moi la radio. Capitaine, faites demi-tour immédiatement. Vous entendez ? Sortez-nous de ces eaux aussi vite que possible. Oui. Est-ce que vous êtes devenu complètement fou ?
J'ai assisté à votre cirque de mon hélicoptère. Une chance que je sois arrivé à temps. J'ai failli avoir Linge. Oui, comme vous dites, vous avez failli. Il faut vous mettre une chose dans la tête. Mes relations spéciales avec les États-Unis ne doivent pas être mises en danger. Mettez-vous ça dans le crâne. S'il n'y a pas les États-Unis, il n'y aura pas non plus d'armes. Comment vos amis vont-ils se battre? Avec des lance-pierres? Je croyais que vous vouliez l'éliminer. Exact, mais pas n'importe comment. Vos mauvaises initiatives vont jouer contre nous. Mes méthodes vous effraient? Vos méthodes? Tout détruire chez Linge sans l'avoir lui, vous appelez ça des méthodes? Et cette pauvre veuve, ça vous a rapporté quoi au juste, cette absurde mutilation? Rien, comme d'habitude. Vous perdez votre sang-froid, Caron. Parlons plutôt du temps que je perds avec vous. D'ailleurs, j'ai décidé de revoir nos accords. C'est trop tard, maintenant. Pourquoi? Jusqu'à présent, vous avez failli à remplir votre part du contrat. Vous vous trompez, l'argent est déjà en Suisse. Et il sera transféré sur votre compte dès que les documents seront en ordre. Non, pas cette fois. Si je décide d'aller jusqu'au bout, il n'y aura ni papier, ni banque, ni aucune trace. J'échangerai les virus et les documents contre les lingots d'or et le transfert se fera en mer. Alors? Soltané ne sera pas d'accord. Je me charge de Soltané. Dorénavant, vous faites ce que je dis, et uniquement ce que je dis, d'accord? Maintenant, excusez-moi. Encore vous, j'espérais bien ne plus jamais vous voir par ici. Vous avez failli, en effet, mais... Il n'y a pas de mec qui tienne. C'est quoi, ce type-là? L'assassin. Eh bien, emmenez-le à la police et fichez le camp de ce bateau avant qu'il y ait un autre meurtre. Personne n'ira à la police. Tiens, tiens, Madame Cassani. Je crois que les divertissements sont finis. Alors que faites-vous ici, Monsieur Linge? Il perd beaucoup de sang. Il va mourir si on ne s'occupe pas de lui. Sans compter que sur le pont, ça ne fait pas net. On s'en fout du pont. Il a que ce qu'il mérite, qu'il crève. Je ne sais pas ce qu'on doit faire. Mais on n'a pas le droit de le tuer. Tu réalises ce que tu dis, Charny? Il a tué Sally et maintenant t'as pitié de lui? On ne sait pas si c'est lui. Alors Vicky, va chercher des bandages et descends-le dans la cabine. Ok, aucun problème. Mais le passé, par-dessus bord, ne serait pas... Fais ce que je te dis. T'es complètement folle. Cognac? Volontiers. C'est une œuvre d'art. Il était à mon mari. Dommage qu'il n'ait jamais pu s'en servir. C'est quand même curieux qu'un homme tel que votre mari ait pu se laisser prendre comme ça, disons par surprise. Qu'en pensez-vous? Probablement une de ses bonnes relations. Mais moi, à quoi puis-je leur servir une fois morte? Je voulais juste vous faire peur à nouveau. Mais que vous a dit Soltané hier? Rien du tout. J'ai refusé qu'il monte à bord. Navré pour Sally. Que vous dites, tout compte fait, vous pourriez travailler avec ces meurtriers, tout ça pour mieux m'avoir? Curieusement, elle s'est fait tuer dès votre arrivée, n'est-ce pas? Encore une question. Pourquoi étiez-vous si attentionné à Monte Carlo? C'était pour le business, bien entendu? Non. Oh non, mes intentions étaient bien moins honorables. Caroun, ne vous quittez pas un instant, alors je n'ai pas pu tenter ma chance. Ensuite, vous avez disparu. J'ai épousé Cassani. Mmh. Et brisé le cœur de Caroun. Oh, il a survécu. Mais pas votre mari. Malco, je ne sais pas où vous voulez en venir. Peu importe, je n'ai confiance en personne. Vous entendez? Personne. J'entends aussi la CIA. Juste par curiosité, notre invité, l'avez-vous déjà rencontré? Non. Moi, oui. Et je suis sûr que ses amis vont revenir plus vite que l'on croit. Alors que comptez-vous faire? Attendre qu'ils reviennent? Je ne sais plus. Écoutez, si vous le voulez, mes amis et moi pouvons rester ici. Ça vous donnera le temps de réfléchir. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Vous êtes le chevalier servant. Très bien. Vous resterez ici tous les trois. 22 heures, le dîner.
Ça ne va pas? Oh non, ça va. Non. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un qui mangeait autant, cette personne avait un problème de glande. Généralement, les problèmes de glande d'Ingrid se situent bien au-dessous de son estomac. Très spirituel, Vicky. J'adore la langouste, alors je mange. Moi, ce que j'en dis... Mais comme on coutume de dire les Français, les émotions creusent l'appétit. Et quel est le rapport? Eh bien, tout simplement que lorsqu'Ingrid est agitée, elle ne mange pas, elle s'empiffre. J'ai besoin d'air. C'est sûrement le champagne. Veuillez me pardonner. Pauvre Charnilard, ça a vraiment été un enfer. Ça a été un enfer pour nous aussi. Mais heureusement, vous êtes tombés du ciel. Oui, nous sommes très impressionnés. Mais vous ne nous avez toujours pas dit ce que vous allez faire pour Charnilard. Ça dépendra d'elle. Ça... Regarde ce que tu m'as fait. Pour qui fais-tu? Charnilard, ouvrez la porte. Ne faites pas de bêtises, on a besoin de lui. Je parle pas, mon sale pute. Alors tu ne parleras plus jamais à personne. Il faut ouvrir cette porte. Ouvrez cette porte. Vous êtes satisfait? Seulement quand ils seront tous morts. Je me sentais sale, c'est tout. Vous entendez? Qu'est-ce que vous avez gagné en le tuant? Oh, ne vous faites pas de morale, voulez-vous. Il n'a souffert que quelques secondes, alors que moi, je vais souffrir toute ma vie. Je n'arrive plus à me regarder dans une glace. Mais vous restez une très belle femme. Ah oui, vous voulez voir? Un monstre, est-ce encore désirable, à votre avis? Un très beau monstre. Croyez-moi. Oh. Vous trouvez. Vraiment. Alors vous allez me faire l'amour, tout de suite. Et si vous fermez les yeux, je vous jure que je vous tue. Thank you.
Tiens, tu as de la visite. Madame Cassani, vous ne songiez pas à nous échapper. Je vais le tuer, laisse-moi. Reste là. Écoute au moins ce qu'il a à te dire. Ça y est, on peut se voir. Monsieur Soltané, vos chaussures. Oh, naturellement. Prince Malko, vous ici. Oh, mais quelle bonne surprise. Je savais que vous en seriez ravi. Vous vouliez me parler? Alors faites vite. Si vous le permettez, j'irai droit au but. Voilà, vous n'avez pas jugé opportun de répondre à notre offre et nous en sommes navrés. Madame Cassani, notre patience a des limites. Que comptez-vous faire alors? M'éliminer? Rendez-nous ce qui nous appartient et vous vivrez en paix. Je vous l'ai dit et répété 100 fois. Je n'ai pas ce que vous voulez. Nous voudrions compenser très généreusement votre petit handicap. Nous vous offrons 10% de la somme, c'est-à-dire 25 millions de dollars. Nous pensons que c'est une somme suffisante pour vivre dans le luxe le restant de vos jours. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je n'ai pas cet argent. J'ai bien quelques documents, mais je n'ai pas votre sale fric. Alors nous dirons que c'est déjà quelque chose. Nous pourrions peut-être poursuivre cette petite discussion. Par exemple, demain. Connaissez-vous la Caravelle, ici, à Bonifacio? Disons à midi. Et je suis convaincu que nous trouverons un terrain d'entente. Eh bien donc, à demain, Madame Cassani. Surtout, n'oubliez pas vos chaussures. C'est très gentil de m'y faire penser, prince. Au revoir. Je veux que tu viennes avec moi. Je te donnerai une autre identité, une nouvelle vie et même un autre visage, si tu le désires. Je ne veux pas un autre visage, Malko, mais le mien. Cet argent, c'est toi qui l'as? Non, je ne l'ai pas. Il a été transféré des comptes de mon mari la veille de sa mort et je ne sais pas où il a atterri. Jamais ils ne te croiront. Ils te tueront. Viens avec moi. Je ne sais pas, Malko. Nous en reparlerons. Il faut que je parle au capitaine. J'en ai pour une minute. À tout de suite. C'est le temps idéal pour naviguer, n'est-ce pas? Petite brise, c'est juste ce qu'il faut. Si vous voulez, je... Excusez-moi, je reviens tout de suite. Oh. Madame Cassani. Dites-lui que j'essaierai de venir. Charnilard. Quel plaisir de vous voir. Les invités, c'est toujours dur à laisser. Oui, ainsi que la vie. Alors, dites-moi ce que je fais ici. Non, veuillez retirer ça, je vous prie. Je hais les armes à feu. Et je vous jure que maintenant, ce ne sera plus nécessaire. Je serais heureuse de pouvoir vous croire. Ma chérie, je ne suis venue que pour vous aider. Tout le monde dit être avec moi, mais regardez-moi. Je suis le seul qui puisse vous sortir du cauchemar dans lequel votre mari vous a fait plonger. C'était fou de sa part, croyez-moi. Je le croyais votre ami. Il l'a été, ma chère. Mais il le serait encore s'il m'avait écouté. Il n'aurait pas dû traiter avec Soltané. Ma chère, vous savez, dans ce monde, il y a des gens qu'il vaut mieux éviter. Tels que Malko Linge, peut-être? Ne pensez plus au prince. Ce n'est qu'un mercenaire. Alors, que dois-je faire? Pour l'instant, une seule chose. Sauvez votre vie. Bonjour, Malko. Ça va, d'où?
Malco, monsieur Parkinson, le chef du département comptable. Monsieur. Vince Malco. Bonjour. Je vous en prie. Vous n'ignorez pas que nous sommes tenus de vérifier toutes les finances de nos agents en opération. Bien sûr. Et êtes-vous au courant aussi que monsieur Mansour Karoun s'est offert votre Raphaël la semaine dernière pour 15 millions de dollars? Ah, alors c'était lui. Mais ce qui est insensé, c'est qu'il a monté son propre prix d'un million sans aucune raison. Vous comprendrez, Malco, qu'il est assez troublant que ce monsieur vous verse une telle somme juste quand vous revenez bredouille. Je vous demande pardon. Vous êtes en train de me dire que j'aurais touché un pot de vin? C'est complètement absurde. Vous avez une semaine pour nous donner des explications. Sinon, nous serons obligés d'agir. Je vous remercie, monsieur Parkinson. Vous allez me dire à quoi vous jouez? C'est juste un procédé peu élégant. On sait qu'il laisse filer des informations. Et je veux qu'on apprenne que vous avez de gros problèmes. Et en particulier, Karoun. Alors, c'est lui qui est mon Raphaël? Eh oui. Félicitations. Merci, mais je préférerais le savoir ailleurs. Karoun est notre homme. La poursuite en bateau, c'était lui. Intéressant. Et j'ai plus. Il se prépare à livrer de quoi charger 5000 obus du plus puissant virus jamais sorti d'un laboratoire bactériologique. Il était censé être détruit en Europe suivant les clauses d'un traité signé avec les soviets. Mais avant d'atteindre l'incinérateur, il a disparu. Ça suppose quelques complicités. Oui, sûrement, oui. Mais le Pentagone le protège, alors pourquoi risquer autant pour des terroristes? Cette fois, l'enjeu était trop important. Oui, cette fois, Karoun se fait payer en lingots d'or. 5 tonnes d'or, ça vous dit? 100 millions de dollars. Et où est-il? Chez lui, à Marbella. Vous allez y descendre avec Chris Hamilton. Trouvez à quel endroit et quand se fera la livraison. Et lorsque vous le saurez, interceptez-la. Je suis impatient de revoir mon Raphaël. Vous partez ce soir. Martini Ross, je vous prie. Bien sûr, Seigneur. Voilà. Excusez-moi, bien sûr. Malco, que fais-tu ici? J'allais te poser la même question. Je dois te parler, Charmila. Plus tard, d'accord? Fais-les attendre. Tu me dois des explications. Alors, tu m'as retrouvé. Qu'est-ce qui peut te faire croire que j'ai pu seulement essayer? Je savais que tu ne comprendrais pas. Que toi et ton cher ami Karoun m'avaient bien possédé, ça je l'avais compris. Je te remercie. Je me marie avec lui, Malco. Je vais enfin vivre en paix. C'est tout ce que je demande. Oui, tu vas être heureuse toute la vie. Seulement, il y a un petit problème, Charmila. C'est ton argent qu'il veut. Tu aurais dû venir avec moi. Où? Dans ton château? Enfermé jusqu'à la fin de mes jours? Je t'en prie, Malco, ne jette pas le trouble dans mon esprit. Je dois essayer d'oublier tout ça, c'est ma seule chance. Regarde-moi. Maintenant, j'ai retrouvé mon visage. Je ne suis plus un monstre. C'est dommage. Je commençais à m'attacher à ton autre visage. Ne sois pas cruel. Ne crois pas que je fasse tout ça pour moi, Malco. Pourquoi crois-tu être encore en vie? Il a cassé tes relations avec la CIA plutôt que de te tuer. Je devrais peut-être te dire merci. Je n'attends rien, tu entends? Tu es vivant, c'est ce qui compte. Seulement, ne crois pas qu'il te donnera une seconde chance. Alors pars. J'ai bien peur de ne pas pouvoir suivre tes conseils. Il y a autre chose en jeu que le simple document. De quoi est-ce que tu parles? Ce brave ami, Karoun, est prêt à livrer une arme assez puissante pour tuer des millions de gens. Quant à ses clients qui veulent utiliser cette arme, ce sont ceux-là même qui ont essayé de te tuer. Ce n'est pas vrai, tais-toi! Thank you.
Soyez gentil, Carlos. Préparez la voiture. Je ne peux pas, señora. Pourquoi? Ce sont les ordres du señor Caron. Nul ne doit sortir d'ici avant le retour de monsieur. Même pas vous, señora. Ne soyez pas ridicule. Et dites au señor que je suis chez le coiffeur. Je conduirai moi-même. Cela ne sera pas utile, señora. Votre coiffeur est déjà sur la route. J'ai téléphoné pour vous. Comment avez-vous osé vous occuper de mes affaires? Laissez-moi sortir. C'est impossible, señora. Mes volets? Bien sûr. Alors on y va. Il doit revenir. Et je vous promets que cette fois, il ne sortira pas vivant de cette maison. J'y compte bien, monsieur Nassiri. Je vous redonne une chance. Demain, j'organise une soirée. Lingue en sera l'invité d'honneur. Pendant qu'il boira du champagne, tout sera conclu. Après, et seulement après, vous réglerez vos affaires ensemble. Malco! Malco! Ça, par exemple. Mais comment ça va? J'adore les hommes qui savent changer de look. Alors, tu en as tué combien aujourd'hui? Tué? Non, j'étais en voiture, j'admirais tranquillement le paysage. Oui, non, c'est vrai, quand soudain, un arbre est tombé en plein sur ma voiture. C'est la vérité. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On va jouer les demoiselles d'honneur. Superbe. Faut m'en dire plus, je suis très curieux. Au dîner, peut-être? D'accord, si tu nous promets de faire un brin de toilette. Alors, à 11h, on est au club. On se retrouve là-bas. Ciao. Carlos, l'hélicoptère a été volé.
Dès que l'Hormuz aura passé Gibraltar, envoyez un message radio. Justement, je viens de l'avoir. Il se trouve à 36 heures du point de rendez-vous. Dois-je leur dire de changer de cap? Non, retrouvez cet hélicoptère dès que possible. Qui est-ce? Le coiffeur de madame. Mais elle refuse de le recevoir. Et où est-elle? Sur le patio. Elle est très fâchée. Elle n'a pas apprécié d'être retenue ici contre son gré. Ça lui passera. Oh, Carlos, trouvez l'adresse du prince Malco et envoyez-lui une invitation. Je m'en occupe, Seigneur. Attendez, de plus, monsieur Nassir y sera à la soirée. Je souhaiterais que ni lui ni le prince ne sortent d'ici vivants. Je sais que je peux compter sur vous. Merci de votre confiance. Non, je vous assure, il la séquestre, les prisonnières. Je ne comprends pas, c'est insensé. Elle se marie demain. Karoun et Charmina, c'est grotesque. Allons, Malco, ne sois pas jaloux. Oublie, Charnila. Il y a d'autres femmes sur Terre, tu sais. Ah, j'ai reçu une invitation pour la soirée. Ce qu'il faudrait... Pardon, Seigneur. Oui, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse y infiltrer Milton et Chris. N'y compte pas. La villa de Karoun, c'est Fort Knox. Tu te fais filmer dès que tu passes la porte. Pourquoi se torturer, téléphonant à Charnila, qu'elle nous envoie des invitations? Mais croyez-vous que ce soit aussi facile? Malco, je suis en train de mourir de soif. El téléphone, par favor. Allô? Peux-je parler à Charnila, s'il vous plaît? Elle n'accepte aucun appel, désolé. Que voulez-vous dire, voyons? Dites-lui que c'est Victoria. C'est son amie anglaise, Seigneur. Elle insiste. Oh. On a été coupés. Andy! C'est la seule possibilité. Lui, il pourra. Andy? Qui est-ce? Karoun et lui sont très amis. Il s'appelle Andrew Marcus. Andrew Marcus? Et vous croyez qu'il marchera? Si je lui demande gentiment, peut-être. Quoi, peut-être? Sûrement, voyons. Tu lui dis saut d'une falaise, il dit oui, à quelle heure? On va voir une course de taureaux demain à Ronda. Arrange-toi pour que Chris et Milton y soient. Moi, je me charge du reste. De respect pour le bétail au Texas. C'est le grand Pepe Luis. La dernière fois que je l'ai vu, il a réussi une super stockade nette et précise. Il a reçu les deux oreilles et la queue. J'en suis sûr. Ils sont de la CIA. Vous leur avez donné une invitation? Bien sûr, voyons. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Parfait. Et j'espère que notre cher ami autrichien sera des nôtres. Plus on est de fous, plus on rit.
Ah, voilà une soirée. On ne va pas s'ennuyer. Oh, mais qu'est-ce qui vient ici? Entrez. Ah, ben ça fait bien longtemps. Alors, comment va mon vieux Turc? Ça fait mal quand je ris, sinon je suis en pleine forme. Eh ben, je t'ai apporté un petit cadeau. Tu tournes le clip et t'as 3 secondes pour le balancer. C'est du GP32. Chacun de ces joujoux a la puissance d'un kilo de TNT et ce n'est pas détectable. Mais je suis très touché. Nous, on en a des tas en réserve. Alors écris-nous s'il t'en manque. Vous voulez que j'épuise le stock? Mais on verra ça. Bien, voilà comment on va procéder. Les amis dans le gazpacho. Ne mange pas tout, attention. Très amusant, Maltès. Et laisse-en un peu. Qu'est-ce que t'as là-dedans? De la soupe. Retire tes sales pattes de ma soupe. Il manque quelque chose. Elle est un peu fade à mon goût. Je connais mon boulot, de l'air. Tirez-vous! Les cuisines, c'est au fond à gauche. T'auras fini, descends manger un morceau avec nous. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonne soirée, Votre Altesse. Le prince Malco vient d'arriver. D'accord, je préviens Karun tout de suite. Si Votre Altesse veut bien se donner la peine. Prince Malco, comme je suis heureux que vous ayez accepté cette invitation, très cher. Mais comme le monde est petit, c'est une coïncidence que vous vous soyez trouvé là. Oui, en effet. Venez, que le temps passe vite. Je me trompe rarement, mais voyez-vous, je vous sens, disons, un peu soucieux. Il y a eu des jours meilleurs. Cher ami, est-ce que je peux faire quelque chose? Vous avez déjà tellement fait. Que voulez-vous dire? D'où vous vient cette passion soudaine pour les Avodah qui vous a fait mettre $1 million de plus pour mon Raphaël? Malco, vous m'avez toujours sous-estimé. Depuis fort longtemps, je cherche un Raphaël. En plus, celui-ci a été superbement restauré. Pour te dire, c'est Charnilar qui est monté sur ma propre enchère. Elle a entendu parler de votre fâcheux incident avec ces affreux terroristes. Bon, bien sûr, vous ignorez absolument tout. Là, vous me blessez sincèrement. J'en suis victime comme vous. Nous sommes tous victimes de ces sauvages. Ils ne respectent rien ni personne. Tenez, mon nouveau bateau m'a été volé. Il est utilisé par des trafiquants d'armes. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, mon hélicoptère a disparu. Ah oui. C'est un miracle que j'ai survécu. Allons, oublions tout cela. À votre santé. À plus tard. Bonne soirée. Vous aussi. Ça va comme tu veux? Jusqu'à présent, disons que oui. Tu n'as pas vu Charnilar? Non, et que fait-on? Ouvre l'œil. Je vais aller voir là où ce qui se passe. Bon, allez, les gars, on y va. Vous devriez déjà être en train de servir.
tu fais? Ah! J'ai besoin de toi pour 2 minutes. Juste 2. Vous me la volez. Je reviens tout de suite. Être de ma vie. Oh, vous croyez qu'on va trouver un endroit calme? Dites-moi, à votre avis, où doit-on aller? Monsieur, je suis désolé, mais la fête est en bas. Venez, on n'a pas l'air de nous apprécier. Thomas, je vous trouvais sympathique. Mais c'est pas un maître d'hôtel. C'est un homme de Malco. Champagne? Merci. Vos amis ont soif. Oh, excusez-moi. Comme je suis maladroit. Bon, ne faites pas cette tête-là. Oh, ma chère, j'étais perdu sans vous. Vous méchante. Portons un toast à Charnilard, si vous voulez bien. Pardon, seigneur. Puis-je vous parler, monsieur? Veuillez m'excuser. Qu'y a-t-il, Carlos? Des invités de trop. Rien de très sérieux. Mais vous devriez vous en aller. Votre hélicoptère est prêt. Prévenez Marcus qu'il soit à l'héliport dans 10 minutes. Je vous dis à bientôt. Où allez-vous? Chez Caroun, imbécile. Où est Charnilard Cassané? Réponds. Mais parti. Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Ah, je ne parierai pas là-dessus. Allez, bouge. Allez, d'ici. Bouge pas ou je te crève. Altesse, tout va bien? Ah, ça va, ça va. Vous connaissiez Nassiri? Un des chers amis de votre mari. Ordure! Facile! Je t'ai parlé de cette cargaison. As-tu appris quelque chose? Non, rien de plus. Mais peut-être que... Vite, venez avec moi. Et Caroun? Sur le yacht avec Marcus. Où ça? Je ne sais pas, mais regardez ça. Oh, qu'est-ce que c'est? La position du bateau. Bravo. Attention! Protégé, je n'ai pas le code. Allô, le bureau du directeur. Suzy, c'est Malco. Tiens, comment ça va? Dis-moi, peux-tu brancher la ligne sur l'ordinateur? Je t'envoie un document codé. Il me faut absolument savoir ce qu'il y a dessus. Et fais vite.
Hey, Milton, tu crois qu'ils nous inviteront une autre fois? Ils sont le camp d'ici, allez! Où sont les autres? Sur le patio! Elko, derrière toi! Dépêchez-vous! Je boirai bien un verre! On verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on se marre? Ils ont reçu du renfort! Dépêchez-le! Merdez, mon gars! Il faut penser de passer par là! Faut pas les laisser filer! Vite! Oui, j'arrive! Ils ont bloqué tous les accès. Derrière la piscine, il y a un bulldozer. Chris, sois créatif. Elko, tu le couvres. Et les filles? Il y a un chemin derrière. On vous y rejoint. Ouvrez l'œil, surtout. Donne-moi une arme. Fais attention. Allez! Ramène-moi à la villa, oh, vite. Oh, t'en as pas eu assez? C'est pas agréable, mais il faut désinfecter. Frankenheimer au téléphone. Malco, j'écoute. Ça y est, il y a du nouveau. Karoun a rendez-vous avec les Libyens demain à 6h GMT à l'est de Gibraltar. À l'heure actuelle, le virus doit se trouver encore à bord de l'Hormuz. Une surveillance satellite est en place. Et pourquoi ne pas envoyer la marine? Je ne peux pas mêler l'armée à ça. Ce serait à moi de m'en débrouiller. Eh oui, désolé. Sinon, à propos de Karoun? On a suffisamment de preuves pour l'inculper du meurtre de Kassani. Ramenez-le, si vous le pouvez. Bien. Charnila, tu n'as rien à craindre. Reste ici. Et je te jure qu'à mon retour, tous tes ennuis seront finis.
Prêtez-moi vos jumelles une seconde. Vous attendiez quelqu'un? Charmillard. Je vois que vos hommes ont bien travaillé. Une fois de plus. Bienvenue à bord. Je vois que vous avez changé de coiffure. C'est mieux. Merci. Recule. Malco, toujours à l'heure. Klaus, on ne s'est pas vu depuis une éternité. Qu'est-ce qui t'amène? Des affaires. Rien de personnel. La vie continue, même si le service n'aime pas ton style. Et par qui es-tu payé, Klaus? Ah, désolé, c'est confidentiel. Klaus, je ne t'ai jamais trouvé très brillant. Sais-tu ce qui arriverait si ce tube tombait? Pose-le. Ne vous attendez pas de si tôt, ma chère. Parce que vous m'attendiez, peut-être. Non, je vais vous expliquer. Vous m'avez trahi, Karoun. Tout comme mon mari. Je vous l'ai dit, il était fou. C'est lui qui m'a trahi. Charmillard, ne soyez pas stupide. Les affaires sont les affaires. Et parfois, le choix est difficile. On a toujours le choix. Bienvenue au château, Votre Altesse. Merci, Elko. Alors, ça s'est bien terminé? Ça aurait pu être mieux. Sinon, ici, comment vont les travaux? Aussi bien que possible, mais l'argent manque, Altesse. Ah, mais il n'y a rien de plus drôle. Si, la comtesse Alexandra est là. Elle est comment? Disons qu'elle est comme d'habitude. Ah. Préviens Franz que nous dînerons là-haut. Et appelle le bureau. Et dis à Frankenheimer que je suis de retour. Alex? Alex? Je
Mindley Breen, enfin te voilà. Thank you.